Bonjour. Déclame ton Derrière notre école se cache une autre école. Alors, on a eu, deux hommes tout à l'heure. On va essayer d'aller prendre une grande dame en puissance. Et d'ailleurs, son nom c'est la puissance. Elle, je l'ai rencontrée sur une scène de stand pour la première fois lors de l'open mic de Luciana House, c'est à la CI. Il faut préciser que cette jeune dame écrit des textes depuis quasiment 15 ans. Wow. Elle a commencé à déclamer des textes sur une scène slam depuis à peine 3 mois. Voilà. Et depuis, elle est très fréquente dans tout ce qui est slam. D'ailleurs, au rond-point de la démocratie, elle est souvent venue à la déclame dans slam. Ici, au premier numéro, pas déclamé ce jour-là. Aujourd'hui, elle est invitée de Slam on the Stage, deuxième numéro, première saison. S'il vous plaît, faites du bruit pour la puissance! La puissance! Bonsoir. Pourquoi jamais vivre le slam? Déclame ton slam. Pourquoi jamais vivre le slam? Déclame ton slam. Le titre, c'est foi. Rien ne se passe comme prévu. La colère m'envahit. Je me sens sombré. Totalement sombré dans l'épaisse obscurité de ce puits, l'atterrissage sera violent. Me voilà allongé, sans la moindre volonté de me relever. Le mot possible pour moi est un vague souvenir. Pourquoi est la question préférée d'un dépressif. Pourquoi me lever? Pourquoi me laver? Pourquoi aller travailler? Mon patron me fait chier. Envie de juste rester allongé et lorsqu'il n'y aura plus rien à espérer, me faire sauter la cervelle. Soudain, une voix en moi se fait entendre. Oh, ferme-la deux secondes. Tu peux traverser des moments difficiles. Penses-tu être désormais sans avenir? Si oui, ok, laisse-moi te proposer de faire un truc. Compte s'il te plaît jusqu'à 5. Avec moi s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. As-tu compris maintenant? Chaque seconde est un présent qui deviendra un passé et un futur qui deviendra présent. À chaque fois que tu te sentiras sombré, rappelle-toi de compter 5 secondes. Si tu y arrives, donc tu as un avenir. Il te suffit juste d'y croire. C'est ça la foi. Le deuxième texte a pour titre Rêve. Debout devant la télé, il y est diffusé un concert. Moi, me croyant sur la scène, dansant et chantant comme si j'étais l'artiste acclamé. Est-ce cela qui se réalise aujourd'hui? L'avais-je prédit ou encore pressenti? On a tous en nous un moyen par lequel on peut guérir les cœurs, ce que beaucoup appellent le talent. Mais aujourd'hui, permettez-moi de l'appeler lui. Lui, c'est le genre avec qui tu nais. Tu ne peux pas tuer lui. Tu ne peux que l'étouffer. Car ce qui est sûr, lui se dévoile toujours.
Même ton plus proche parent n'a pas l'air d'en avoir, et pourtant en lui, il a lui. Lui est très souvent insulté, considéré comme un passe-temps. Lui est parfois, chez beaucoup d'entre nous, un choix second. Non, je ne parle pas de lui, you, qui change d'aspect selon le temps qu'il fait. Mais je parle de lui, statique, immobile, celui vers qui on court, car il peut s'offrir. Mais tu devras te battre pour le réaliser, car oui, lui change de forme, ou devrais-je dire, lui a un jumeau, mais ils vont de pair. Lui peut rester un talent enfoui en toi. Oui, il peut aussi devenir ami avec son confrère objectif. La recherche constante de mon essence profonde est le résultat de qui je suis. Mon nom est la puissance pour vous servir. Faites du bruit pour la puissance! Step by step, vous avez vu! Voilà, voilà! Partagez avec une personne!